Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Le Jardin Potager 2019. Aujourd'hui j'ai une vidéo très intéressante à partager avec vous et c'est de comment récupérer ces graines de fraises. Pourquoi on veut récupérer les graines de ces fraises? Parce que 1, c'est tout simplement facile. 2, parce que tout le monde aime les fraises, tout le monde aime faire des desserts. Donc si on veut en conserver et en avoir beaucoup, voici la façon. Restez là, je vous montre comment. Alors, première étape, très simple, ça nous prend des fraises, évidemment. Je vous conseille d'essayer de prendre des fraises les plus belles. Dans le fond, ceux qui sont les plus parfaites, dans le fond, comme celle-là ici. C'est sûr qu'il y en a qui sont comme ceux-là, qui sont un petit peu déformés. Ça fait la même chose. Ce que je veux dire, c'est ceux qui ont été piqués, ceux que vous voyez qu'il y a des signes de maladie, mettez-les de côté. Donc, on prend des fraises, très très simple. On a besoin d'un petit couteau, une planche, une fourchette, un petit bocal pour mettre les fraises dedans. Donc, je vous montre en plus grand plan pour... Donc, la première étape, comme je vous disais, il y a trois façons de le faire. Il y a des façons qui sont plus simples, il y a des façons qui sont un petit peu plus longues à faire, dont celle-ci qui est la plus longue, à mon avis. C'est comme vous pouvez voir, sur chaque fraise, on voit toutes les petites graines. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un cure-dent et puis les enlever une après l'autre. Ce qu'on fait quand on a réussi à l'enlever, on prend un papier essuie-tout dans une assiette et puis on vient juste la coller comme ça, en s'assurant dans le fond qu'elle est bien collée. Ça, c'est la façon la plus longue. Deuxième façon, ce qu'on peut faire avec une fourchette aussi. On écrase carrément la fraise. De façon à vraiment uniformiser la fraise au complet de cette façon-là. Ça, c'est la deuxième façon. Je vais juste la mettre de côté. Et la troisième façon, avec le couteau, la même chose. Mais étant donné qu'on veut conserver la fraise, on va juste venir couper l'extérieur pour vraiment récupérer les graines. On le fait tout le tour. De cette façon. Et puis, on peut conserver la fraise pour pouvoir la manger. Il y a une autre façon aussi, si vous avez un malaxeur à fruits ou un food processor ou n'importe quoi, là, un malaxeur, vous pouvez toutes les mettre dedans. Par contre, moi, je suis un petit peu moins pour ça parce que j'ai toujours peur, à cause des lames, de vraiment comme abîmer la graine, même si elle est très, très, très petite. Mais on peut le faire. Mais je vous dirais que pas plus que 5 secondes. Donc, par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère, comme je vous dis, moi la fourchette, c'est mon préféré parce que c'est très très simple. On récupère tout. On essaie de séparer le plus possible pour séparer la graine de la chair de la fraise. On peut prendre nos doigts aussi. Je prends la fourchette, mais avec les doigts aussi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. On n'écrasera pas la petite graine. Donc, en les écrasant comme ça avec nos doigts, on les sépare carrément le plus possible de sa chair. Donc, comme vous pouvez voir, je le mets directement dans le pot. J'essaie de récupérer le plus possible toutes les graines.
Première étape. Je vous reviens avec la deuxième étape. Par la suite, quand on a mis nos fraises dans notre petit pot, vous pouvez prendre un verre, n'importe quel contenant que vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de l'eau dedans. Et puis, on va mélanger juste un petit peu d'eau. On va mélanger le plus possible pour essayer de séparer, dans le fond, les petites graines de la chair que je vous expliquais tantôt. On avait déjà commencé un petit peu avec les doigts, vraiment de séparer le tout. Ce qu'on peut faire aussi par la suite. Ce qui va arriver, vous allez le voir, vous allez constater par vous-même, la chair va flotter, puis toutes les petites graines, eux, vont se ramasser dans le fond du contenant que vous allez utiliser. Ce que j'aime bien faire, un coup que j'ai brassé, que c'est pas trop plein, je le remplis tranquillement. Je m'assure dans le fond qu'il n'y a pas de petites graines en surface. S'il y en a, je les écrase avec mes doigts pour vraiment les séparer de la chair. Étant donné, tout dépendamment, si on les a bien écrasées, les graines habituellement vont... Je ne sais pas si on peut le voir. On ne le voit pas bien. On continue le processus. C'est sûr que dans un malaxeur, c'est un petit peu plus vite parce que la chair se sépare un petit peu mieux. Mais il y a toujours possibilité d'endommager aussi les petites graines. C'est sûr qu'il y a toujours une petite perte. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'éliminer la chair en évitant de trop perdre ses graines. Donc, assurez-vous, quand vous mettez vos fraises dedans, de vraiment les séparer avec votre pouce ou avec la fourchette pour vraiment bien les séparer, les graines de la chair, de façon à ce que ça soit un petit peu plus simple quand vous allez le mettre dans votre contenant. C'est sûr qu'il va y avoir de la perte. C'est sûr que moi, je dis que les graines qui sont sur le dessus, vous allez en voir, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de récupérer au minimum la moitié des graines sur une fraise. Parce qu'il y en a, qui malheureusement, qui ne viendront pas à maturité, qui germeront pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on attend quelques secondes, on attend dans le fond que toute la chair monte à surface, comme vous pouvez voir. Dans le fond, toute la chair est en surface et j'ai le liquide. C'est sûr qu'il y en a encore sur le dessus, mais quand je regarde en dessous, j'en ai beaucoup dans le fond du contenant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste verser tranquillement pour enlever la chair au complet en essayant de regarder pour pas que les graines du fond, on peut prendre une fourchette ou son doigt. Donc, j'ai enlevé toute la chair. Je vais laisser un petit peu. Donc, on enlève l'eau complètement en essayant de regarder le plus possible. J'aime bien prendre un pot maçon parce qu'il y a un petit rebord. Donc, les graines viennent à côté sur le rebord et c'est juste l'eau qui s'égoutte. On continue le processus. Jusqu'à temps qu'on élimine l'eau complètement. On peut laisser un petit peu d'eau. On va le voir, là, la caméra. Mais j'ai mes graines qui sont dans le fond. Je vous reviens avec la suite. Maintenant que nous avons récupéré nos graines, on a besoin d'un papier absorbant. On s'assure, dans le fond, d'aller chercher toutes les graines. Et puis, on a tout simplement à le vider, le contenant, directement sur le papier.
sûr de récupérer toutes les petites graines. Donc, ce qu'on peut voir maintenant, on a, je vous dirais, environ une trentaine de petites graines. Donc, ce qui reste à faire, c'est qu'on le met dans un endroit sombre, frais. On attend quelques jours, le temps que ça soit bien sec. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste lever dans le fond, le papier essuie tout. Et puis, on fait juste gratter avec notre ongle pour pouvoir les décoller. Et puis, on récupère les graines, on les met dans une enveloppe brune ou blanche qu'on va mettre dans un endroit sombre et frais, comme dans un garde-robe ou dans un sous-sol, à quelque part hors du soleil, hors de l'humidité, pour justement conserver nos graines pour l'année d'après. Donc, pour deux petites fraises, j'ai une trentaine de graines. C'est sûr, comme je vous dis, on a de la perte, mais quand on sait qu'une graine va nous donner un plant qui va nous donner plusieurs fraises, et puis ce plant de fraises-là va nous donner des stolons qui, par la suite, va vouloir se propager pour nous donner d'autres plants. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment propager ces fraises avec des stolons, ben, allez la voir. Donc, je vous reviens. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, petit bémol, faut juste s'assurer, par contre, de ne pas avoir deux ou trois sortes de fraises différentes. Parce que ce qui pourrait arriver, c'est qu'il pourrait avoir une pollinisation croisée qui pourrait arriver à un hybride qu'on appelle, qui est un F1. Donc, la fraise, dans le fond, ne pourra plus se reproduire. Elle va devenir stérile. Donc, s'assurer de toujours avoir la même sorte de fraise, s'assurer, dans le fond, d'avoir des fraises qu'on a actuellement qui sont vraiment de bonne qualité, que c'est exactement ce qu'on veut à partir de ces fraises-là, comme je vous dis, très simple. Ça semble un peu compliqué, mais il y a trois façons. Vous pouvez le faire de votre façon. Comme je vous dis, vous pouvez le mettre aussi dans un malaxeur, pas plus que 5 secondes. Vous allez récupérer quand même les graines au fond. Mais s'assurer d'un bon séchage, c'est ce qui est la clé du succès. S'assurer que c'est très très sec. Si ça prend une semaine, ça prend une semaine et plus. Par la suite, on les met dans une enveloppe. On s'assure qu'elle est bien au sec, dans un endroit sec et frais. Et puis, voilà. Si vous avez d'autres idées, d'autres façons, faites-moi part de vos commentaires. Laissez-moi un petit message. J'espère que cela vous a plu. Et puis, je vous souhaite bonne saison de fraises. Et puis, ne manquez pas de me donner un bon pouce et de me laisser un commentaire, de vous abonner à ma chaîne. On se revoit dans une autre vidéo. Merci et bonne journée!